fait ça pour travailler surtout les adducteurs et le souffle en même temps. Ils trouvaient vraiment travailler beaucoup les jambes. Parce que quand ils sont à un cheval, ils ont besoin d'être costauds sur les jambes, comme ils sont tout le temps en suspension. Il faut vraiment qu'ils aient des muscles qui tiennent et le bas du dos aussi. Le monde change, le sport change également. On a eu la possibilité de créer une nouvelle salle simulateur, donc de prendre un peu d'espace et on s'est dit pourquoi pas mettre une salle d'échauffement parce que tous les sports, avant tous les sports, on s'échauffe. Ça fait monter la température du corps, le cardio évidemment, et ça prépare également mentalement à l'effort qu'ils vont faire. Il faut savoir qu'en course, l'effort est extrêmement brutal, très court mais brutal. Donc, pour éviter quand même certaines blessures, on essaye de se rapprocher au maximum de l'effort qu'ils vont fournir en course. Ça permet vraiment de faire une préparation au plus proche de ça. Il faut savoir qu'un échauffement dure environ 20 minutes si on veut qu'il soit efficace. Donc, quand les salles arrivent, ça permet de diviser en deux les groupes. On les échauffe pendant une vingtaine de minutes. La salle est ouverte à tous les gens qui travaillent dans les chevaux. C'est un contrat différent, mais tous les jockeys, apprentis jockeys qui ne sont plus à l'école, sont les bienvenus à s'entraîner et à faire du simulateur. Il y a un truc qui m'agace quand je vous vois travailler les chevaux, quand je vois travailler sur les chevaux mécaniques, c'est que vous avez tous des talons ici. Ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Les talons, il n'y a pas besoin de relever. Le problème, c'est quand vous êtes sur les talons comme ça, vous poussez, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez carrément sur l'avant-main de vos chevaux. Donc redescendez bien les talons, fixez bien derrière votre bas du dos, restez bien derrière votre cheval et faites travailler les bras. Et je regarde toujours devant et je pense à respirer. Si vous faites ça comme ça, automatiquement, vous êtes devant l'avant. Et du coup, vous ne poussez plus sur vos chevaux. Faites-moi voir. Rentre-moi les coudes. Rentre les coudes, voilà. Allez, demoiselle, je suis fatiguée. Prenez le temps de faire ça proprement, d'accord? Surtout que là, c'est des salles pour vous apprendre à les gestes, donc faites pas ça à la vite. Faites ça, prenez le temps de bien décomposer le geste pour pouvoir après vous pousser correctement sur vos chevaux. Allez, on recommence. Allez-y. Alors, l'intérêt du simulateur est donc de se rapprocher techniquement et physiquement le plus proche de l'effort qu'ils vont fournir en course. C'est des instruments qu'on a maintenant depuis 5 ans. On a pu développer une méthode de formation en se basant évidemment sur la connaissance que nous ont apporté beaucoup de crack jockeys. On a une bibliothèque de vidéos, on leur a posé toutes les questions qu'on peut se poser à cheval. Ils ont répondu à cela en venant se faire filmer de façon à ce que les enfants puissent se comparer à eux et puissent recevoir les informations des jockeys professionnels. On n'a pas affaire à un animal, là, le simulateur, il ne va pas s'énerver. Le formateur peut accorder beaucoup de temps à l'élève de façon à automatiser et travailler la mémoire du corps pour les séances d'après. Allez, position 3 tout le monde. On va commencer à travailler les gammes, donc ça, en position 4, tiens, tu te mets en position 3. On travaille des petites gammes, on travaille l'équilibre, le positionnement du pied sur l'étrier. Pas de puissance pour l'instant. Le travail des gammes, c'est comme en athlétisme ou en vélo. On travaille l'endurance, la vitesse. Alors vous allez me dire la vitesse à cheval, c'est pas moi, mais si c'est vous, la vitesse d'exécution des gestes. Tiens, change ton bâton de côté, entraîne-toi. Restez pas statique. Ensuite, avec un bras, l'autre bras, les deux bras. Voilà. Les deux bras, vas-y, deux bras. En endurance, tu dois être capable de me parler. Ouais. C'est bien. On va mettre sur ça. Il y aura une
On peut les comparer à des jockeys techniquement pour voir un petit peu où ils en sont. Ça leur permet un petit peu de voir techniquement comment ils évoluent et puis quelle puissance ils dégagent aussi par rapport à un jockey professionnel qui fait ça tous les jours. Maintenant, on voit la différence entre un professionnel et un amateur, entre parenthèses. Là, on voit vraiment un professionnel qui est dans l'action. Et si on compare à moi, il est beaucoup plus dynamique, il est plus sur son travail et il est beaucoup plus appliqué.